Je me suis frappé par un auto en skate. J'ai eu 25 000$, puis là, j'étais vraiment blessé. Fait que je disais, ah, qu'est-ce que je peux faire? Ma mère m'a laissé dans un camping à 12 ans, puis il fallait que j'aille tailler le sapin de Noël parce qu'on était extrêmement pauvres. Puis mon chum m'a dit, Chris, quand on était dans la chaloupe, t'avais 12 ans, tu m'as dit, un jour, je vais faire les meilleures vidéos de pêche au monde. J'ai dit, hein? j'ai pas tant d'argent. Hein, ouais. Ah ouais? J'aimerais mieux plus tard, peut-être. J'ai dit, calice. Okay. C'est ça qu'on fait. Ouais. C'est vraiment ça qu'on va faire, là. Ouais. Puis là, toi, t'es mon guide. On se met à changer des noms. Hooked, hooked and gun, guns loaded, guns hunting. Ah ouais. Tu sais, je dis, hey, là, on se dit hooked, hooked and loaded. Je dis hooked, 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 hooked. Hooked, hooked, man. Hooked, man. Ah, c'est bon. What the fuck? C'est le bon de la rivière? Si, non, dans notre conversation. Messenger. Qui est rendu sur Messenger, oui. Hey, je dis, man, shit, tabarnak. Ouais. On start ça pour continuer à se parler sur le podcast, pour pas dévoiler des trucs. Hey, what's up, guys? Vraiment content de vous retrouver encore ce soir, podcast numéro 14 déjà. Ça fait 3 mois et demi qu'on fait des podcasts aujourd'hui, puis pour vrai, on n'est pas prêt d'arrêter. On a encore plein d'autres affaires qui s'en viennent, plein d'autres surprises, puis des gros invités. Ah ouais, puis actuellement, là, c'est complètement mon gars. On est après faire notre tournage pour le dindon. Ouais. Des images à couper le souffle, là, c'est. Le monde sont pas prêts à regarder ça. Ouais, ça va être un solide film. On a mis beaucoup de temps, puis on met beaucoup de temps en ce moment, parce que là, on n'est pas à la même date qu'on est supposé d'être, mais beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, un gros concept pour vous. Fait que ce film-là va être débile. En ce moment aussi, on a un gros concours en vigueur qu'il faut pas que vous oubliez. C'est à date notre plus gros concours sur notre page Facebook. Tu cours la chance de gagner un voyage de pêche avec nous. Ouais. Tu peux faire partie du tournage avec 6e sens. C'est du 9 au 12 juillet à la pourvoirie Auberge de la Rivière. Pour y participer, vous allez voir. C'est la Borrière. C'est la Borrière, ouais, Auberge de la Borrière. C'est ce que j'ai dit. Auberge de la Rivière. Ah ouais, ok. Je sais pas si ça existe, mais c'est Auberge de la Borrière. Auberge de la Borrière, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a de la Golden Trout, la fameuse Golden Trout qu'on voit sur Facebook. Il y en a qui savent pas c'est quoi. Allez visiter le site de la pourvoirie. C'est débile, tu veux pogner une Golden Trout dans ta vie. Puis il y a 4 autres espèces en fait de truites. Là, il va y avoir de la mouchetée, il y a du Arctic Char, il y a de la brune, il y a de l'arc-en-ciel aussi. Exact. Fait que c'est un méchant beau trip que vous allez pouvoir courir la chance de gagner avec nous. Toutes dépenses payées, c'est du 9 au 12 juillet. Fait que présentement, les étapes pour y participer sont à l'écran. Fait que, et pour les gens qui sont sur Spotify Balados, je vais les dire, ça vaut la peine. Faut aimer la publication du concours, s'abonner à la page Facebook de 6e sens. Faut acheter un produit sur laforcedelanature.ca. Donc, un produit égale une participation. 10 produits, 10 participations. Et si, si tu tagues un ami en commentaire, ça double tes chances de gagner le concours. Donc, ça vaut vraiment la peine de taguer un ami qui aimerait aussi venir faire un tournage avec nous. Puis si jamais il y a des gens en bas du temps qui souhaitent participer, vous pouvez aussi, puis ça va juste probablement prendre, pas probablement, là, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire si le gagnant est en bas de 18 ans, mais probablement comme une signature parentale, puis on va s'arranger pour que tout fonctionne à merveille. Aujourd'hui, on a encore un gros invité au podcast, on est vraiment content d'être ça, puis... on va parler les sujets, ça va être le c'est qui, le fameux c'est qui. On va apprendre à connaître son background, des choses que vous savez peut-être pas, qu'on va en avoir peut-être en exclusivité, en tout cas j'espère. Après ça, on va parler de hooker, puis on va parler de pêche. Fait que ça va être un solide podcast encore cette semaine. Ouais, vraiment, vraiment. Notre invité a participé 2 fois, si je me trompe pas, dans l'œil du dragon, l'émission de télévision. C'est le propriétaire d'une business de chasse et de pêche qui est immense à ce jour. Puis en fait, la business pour laquelle il est propriétaire puis que je parle présentement, vous la connaissez toutes assurément, c'est Fred Campbell de Hooker. Tu peux venir nous rejoindre, Fred? Viens dans mon Fred. Dans mon Fred. Salut les boys. Comment ça va? Yes. Gros merci. Tiens, on est dans les débuts des projets. Là. Ben oui. Tu sais, si le gars qui est, si quelqu'un gagne votre concours, il n'a pas 18 ans. J'ai juste à pas amener d'alcool, ça va être parfait. Bah non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Exact. On va se coucher plus de bonheur, là. C'est un conseil. Aussi, pas le choix. Ouais.
Fait que PC, t'aurais une petite bière pour nous autres. Ouais, tu sais bon, pas les qu'est-ce t'amener. Les gars veulent déjà de la bière. Ah, j'ai soif. On a un bon invité, ça mérite. À chaque podcast, je présente une petite bière. Là, elle s'appelle La Bonne Aventure. Nice. Une petite bière au goût caramélisé. Puis, ça vient de la microbrasserie Pit Caribou. Tu sais, les tournages s'en viennent, on va aller en Gaspésie. Je pense qu'on a toujours, on a tous déjà pris une bière au Pit Caribou en face du Rocher Percé. Donc, c'est pour ça que je nous fais goûter ça. Nice. Je suis content. La courtoisie de Chaloux. Bien froid, bien froid. Ah ouais, bien dit, bien placé. Good, ouais. Oui. C'est vraiment c'est des bières que j'adore. Là, c'est... Ce qui est nice, c'est de toujours avoir des nouvelles sortes, d'en tester plein. Puis ça, c'est la société de Chaloux qui propulse encore aujourd'hui notre podcast. Un gros merci à Louis. Ça rime avec la chasse et la pêche après les grandes journées, souvent. Ah ouais, ben oui, j'espère. Goût quand même très prononcé en caramel. Ouf. Tu l'aimes pas? Non, je l'aime, là, mais ça... ça... Et ouais. C'est l'ordre de l'adore, dessert, même. Tu l'adores? Mais on l'avait sûrement déjà bu direct au bord, le Pit Caribou, en Gaspésie. Peut-être qu'on avait déjà bu de la blonde. Mais sinon, pour te mettre en contexte, j'ai toujours une question croustillante à chaque podcast. Oh, tu l'attends, oui. Il est stressé. Écoute, ben, tu sais, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires que je voudrais te poser, mais ça fait comme 4 ans que c'est sorti, cette vidéo-là, puis vous étiez allé... au Iqaluk, je pense, puis vous aviez chassé... Non, c'est-tu là? En tout cas, vous aviez... les gens là-bas chassaient le phoque, puis sachant que c'est un animal quand même assez cute, est-ce que ça a fait de la controverse sur les réseaux sociaux ou ça a juste passé de même, puis vu que c'est une tradition? Non, mais faut comprendre aussi que ce qu'on s'en va faire réellement, c'est de s'imprégner de la culture Innu là-bas. Mmh. Okay. C'est pas nous qui a chassé un phoque. Okay. On a vraiment eu la chance... de voir un Innu, c'était une passation de père-fils. Mm-hmm. Le fils récoltait son premier phoque. Okay. Puis c'était une grande cérémonie. Pour en remettre en perspective que nous, la chasse, on l'a fait d'une façon... C'est un loisir, des fois... En tout cas, l'année dernière, j'ai fait le tour du Canada à aller rencontrer des peuples autochtones. Puis j'en apprends beaucoup, mais cette fois-là, c'était ça. Fait que nous, jamais qu'on va... Il n'y a aucune controverse pour eux. Là, c'est un mode de vie, c'est une façon de faire. Ils l'ont arrangé après. Les gars, ils l'ont mangé. Oui. Fait qu'à la fin de la journée, moi, aller faire ça, ça serait... C'est tellement pas dans... Tu sais, chasser un orignal ou un chevreuil, j'ai l'impression que c'est dans notre culture. Exact. Mais non, un phoque, il faudrait vraiment que je me demande qu'est-ce que je m'en vais faire là. Mais je pense que tu sais pas comment le prélever, tu sais. Je sais pas comment tout l'utiliser, là. Je pense que tu as choisi le bon mot de culture. Mais comme, pour nous, un brocard en France, c'est spécial. Pour eux, peut-être qu'il y a des animaux qu'on chasse ici qui sont comme, moi, je tirerais pas là-dessus. Ah oui. Fait que c'est vraiment, plus, c'est hot, par exemple, d'apprendre. Il y a tellement à apprendre. Moi, c'est comme ma nouvelle vocation, là, c'est d'apprendre de plus en plus des cultures puis des gens qui étaient là avant nous. Puis cette connexion-là avec la nature était beaucoup plus forte que nous, comment qu'on l'a. Fait que, pour répondre à ta question, c'était vraiment un bel événement, mais à la fin de la journée, c'était pas... il peut pas avoir de mauvais commentaires. On l'a même... Tu sais, ça s'appelait Nakurmik, le film, puis c'est drôle. Tu sais, mettons, tu verrais un blanc faire ça... Ça serait peut-être rempli de préjugés. Ouais. Mais là, c'était plus waouh, quelle belle culture. Ouais, c'est sûr. Fait qu'à la fin de la journée. Ah ouais, c'est hot. C'est sûr que si demain matin, on s'en va les quatre ensemble. Ouais, au fuck. On fait un voyage de fuck, on part demain, tu sais, c'est spécial. On mange pas ça. Fait qu'à la fin, tu sais, comme. Je sais pas. C'est comme un peu. Mais non, c'est juste en relation avec quelque chose qu'ils sont habitués de faire. Puis ils passent d'une. Une belle réponse. Je voulais pas y aller trop fort, mais finalement. Non, mais c'est une très belle réponse. Tu sais, de la vue. Ben, de notre point de vue à nous, si on regarde ça, ça se peut que n'importe qui voit ça et se dise, voyons, qu'est-ce qu'il fait là à faire ça, mais sachant que c'est culturel, c'est dans leur patrimoine, c'est beau à voir. C'est la même chose avec un ours polaire, je veux dire, vu de leur point de vue, l'ours polaire qui s'approche de leur campement, qui met en péril les jeunes enfants là. Eux, il n'y a aucun drame de récolter l'ours polaire. Là, parce que c'est juste correct. Puis ils vont garder tout ce qu'ils ont besoin à garder. Puis, mais nous, on n'a pas d'intérêt à faire ça. On n'a pas le droit, là, réellement. Là. C'est comme... Non, c'est ça. C'est très différent. Là. OK. Fait que bonne réponse. Mais tu sais, si on passe au premier sujet, on veut apprendre à connaître t'es qui exactement? Autre que la chasse, que la pêche, tu sais, t'as quel âge, tu viens de où, c'est quoi tes passe-temps un petit peu, autre que la chasse, la pêche, puis les business, t'as-tu le temps de faire d'autres choses?
Ouais, ouais, dans le fond, c'est sûr que si, si je retourne en arrière, mon parcours, c'est que j'ai jamais eu de job. Fait que déjà, en partant, c'est... Jamais? Jamais. Ah, j'ai coupé, je coupais les sapins de Noël, je pense, de 12 à 14, okay. 12 à 15, l'été. Mais autre que ça, je sais pas c'est quoi avoir une job, parce qu'à 16 ans, je me suis fait frapper par un auto en skate. J'ai eu 25 000$, puis là, j'étais vraiment blessé. Fait que je disais, ah, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis inscrit au cégep en administration, partie Focus Production, qui existe encore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Puis à partir de là, ben, tu sais, j'ai juste suivi mes passions. J'ai toujours eu quand même. J'ai toujours été dans le bois aussi. Comme ma mère m'a laissé dans un camping à 12 ans. Il fallait que j'aille tailler le sapin de Noël parce qu'on était extrêmement pauvres. Puis il fallait que je fasse mon argent de poche. Fait que j'imagine que tout ce concept-là, finalement, de travailler fort pour son argent, ben, était déjà en moi dès un très jeune âge. Là. Puis c'est dur à expliquer si je retrace tout le parcours parce qu'il y a tellement d'affaires pour amener à aujourd'hui. C'est fou. Là. Je veux dire. J'ai quel âge? Je me le disais dans ma tête, je vais avoir 42 ans, puis là, je vous demandais votre âge. Mais je sens pas que j'ai tant de différence, c'est que le temps a passé tellement vite. Mais je me dis, j'étais où quand j'avais 25 ans? Je reviens en arrière, j'étais en Azerbaïdjan, en train de gérer des méga mandats de fou pour Red Bull à travers le monde. Nice. Fait que tu sais, il y a comme vraiment un parcours, tu sais, je pourrais le faire dans une version abrégée, parce que des fois, j'ai l'impression de me répéter, là, mais... Par ma business, je veux être un skateboarder, snowboarder. Je dis, hey, je connais plein de monde qui sont extrêmement bons. Ça doit pas être si compliqué que ça. T'sais, je regarde aller, je me dis, hey, ça c'est hot. T'sais, vous autres, t'sais, vous jouez là-dedans comme j'ai joué là-dedans. Mais à faire des films et vouloir me distinguer, m'en va à Montréal, rencontre des DJ, mettre de la grosse musique que personne n'a jamais entendue dans les montages. On se fait reconnaître. Après ça, le monde de la pub vient vers nous autres. Check sa gang de crains qui est là, sont vraiment bons. On se démarque avec nos films de snow à travers le Canada, par la compagnie Sugar Shack Productions. On extrapole là-dedans. Puis après ça, une panoplie de contrats, de branding, de visuels, de revampage de l'industrie du snowboard aussi. Là. La compagnie Gestev, qui aujourd'hui a été vendue à Québecor. Mais Chantal Lachance, qui était la présidente, quand c'était l'époque, c'était le temps de refaire l'image du Nokia World Cup qui était à Stoneham. Mm-hmm. Elle a dit, moi, j'ai entendu parler d'un jeune crinqué, c'est lui qui va le faire. Puis ils sont venus me voir, j'étais dans un genre d'appartement, là, tu sais. Ils puis, ont gagné à ta porte, tout ça. Ouais, c'est là que là, j'ai inventé Snowboard Jamboree, Fashion Jam, Stairmasters, puis là, on a tout redynamisé ça avec eux. C'était comme un méchant terrain de jeu pour apprendre, pour créer des gros projets. Puis une grosse époque tournante, c'est quand le premier Red Bull Crashers est arrivé. Eux autres, il y a besoin de des créatifs assez fous qui se démarquaient. Là. Fait que là, quand ils sont arrivés, ils disent « Présentez-moi la meilleure équipe ici au Québec pour gérer nos événements, notre audiovisuel. » Fait que là, évidemment, Gestev a dit « Drette dans le mille, je vais vous présenter cette gang de malades-là. » Fait que les gens de l'Autriche puis les dirigeants sont arrivés puis on avait géré le premier gros mandat. Tu avais Tommy Lee dans l'after party. On avait fait des affaires de fou. Puis après ça, ben c'est l'histoire sans fin de se faire propulser par une méga entreprise internationale. On s'est fait lancer un peu partout au Canada pour continuer à faire du contenu, faire du visuel, gérer un gros mandat international à Vancouver. Puis après ça, ils se disent, ben, tant qu'à vous engager, on peut pas vous reproduire dans 26 pays. Voulez-vous le contrat pour faire les 26 pays avec le Red Bull Freestyle? T'as voyagé pas mal? C'est mon fait gars. Que là, ça avec mon associé aussi, qu'il y a une époque que ça s'est comme transigé, que j'étais complètement brûlé, là, le nightlife, le partying, l'intensité de tout ça, là, tu sais, je veux dire, c'est dur à expliquer, mais je vous montrais des vidéos là, de voir le gars qui est dans une rivière à saumon. C'est l'opposé total. Fait qu'il y a une époque que pour financer les départs de hockey, mon partner, lui, il faisait 26 pays par année, puis il grindait avec Red Bull, puis là, le cash rentrait, moi, je le dépensais. Il dit, là, man, c'est mieux de marcher ton idée. Là. Fais-moi confiance. Un autre World Tour. Puis on va être droit dedans. c'était comme. C'est une histoire d'avoir travaillé puis d'avoir créé autant de contenu. Je n'ai monté d'autres brands.
c'était ma force, moi, le branding puis la création. Puis évidemment, je viens aussi de la... Je viens de des rangs d'agriculteurs, chasseurs, pêcheurs. C'est dans mon sang. Là. C'est ouais. Mon père est élevé sur une ferme. Ma mère est élevée sur une ferme. Fait que j'ai toujours ramené ça. Je pêchais. J'ai eu 40 ans dernièrement. Puis mon chum m'a dit, Chris, quand on était dans la chaloupe, t'avais 12 ans, tu m'as dit, un jour, je vais faire les meilleures vidéos de pêche au monde. J'ai dit, hein? J'ai dit ça, moi. J'ai dit, ben, Chris, c'est pas pire. Là. T'étais dans le mille en ouais, fait que non, pour se rendre aujourd'hui avec Ouké puis une autre compagnie que j'ai, Growers, ouais. Que ça finit que, tu sais, à travers la pêche durable, la chasse éthique, puis l'agriculture à l'échelle humaine, mais on dirait que là, j'ai reproduit ce que mes grands-parents faisaient. Puis là, c'est ça que... C'est ça ouais, que c'est d'une ouais. nouvelle façon, tu sais. Il y avait comme une ouverture, mais c'est une... Tu sais, comme je dis, tu tournes à droite un jour, là, au bout de la rue, il y a un lingot d'or ici, puis t'as retourné à gauche, puis il ouais, y a ça, rien, ouais. tu sais. Mais c'est ça, je partais pour fait dire, que, comme, t'es un gars brillant, puis au-delà de tout ce que... Tu sais, voyager, puis faire des trucs intenses, nightlife, tu parlais de tout ça, ben, en plus de ça, ta tête devait rouler, tu saisis les opportunités, puis tout, fait que... Je comprends que t'étais brûlé au bout d'une semaine, ouais. là. Ouais, mais c'est que j'ai une époque que je voulais... Tu sais, après ça, j'étais rendu, OK, nous, on fait l'halftime show du Super Bowl. Ouais. Puis d'après moi, on serait rendu là, mais... Il y a quelque chose qui me disait dans ma tête que c'était la valeur aussi. Tu sais, j'avais une boîte de prod, mais aussi, on était vraiment bon. Mais tout ce que j'avais, c'était des... Je vendais des heures, tu sais. Ouais, c'est ça. À la fin de la journée, ça n'allait rien valoir. Je n'allais pas léguer rien à la planète. Là. Ouais, c'est ça, exact. Focus, Productions, who cares, là, tu sais. Change le nom, les individus avec qui je travaillais, c'était parfait, là, mais je voulais léguer quelque chose. Je voulais avoir ma brand, là, fait que j'ai comme... Ben justement, pendant ça, comme relégué à la planète, puis tout ça, t'as Ouké, t'as ta boîte de prod, puis t'as aussi une autre compagnie que je me souviens même pas le nom en ce moment. Puis d'ailleurs, j'écoutais, parce que j'écoute Dans l'œil du dragon, puis j'aime bien ça, là. Puis je suis tombé que je t'ai vu pour comme la deuxième fois, je savais que t'étais allé avec Ouké. C'est quoi cette compagnie-là exactement? Ça s'appelle Growers, dans le fond. C'est une opportunité que j'ai eue là, avec Jean-Martin Fortier, là, qui est comme une légende du monde de l'agriculture. Là. Fait que c'est... Il y a une époque, tu regardais la télé à TV5 ou à Uni, t'avais... les fermiers qui jouaient, suivi du show de Ouké. Oh, je me dis, mais sans ce gars-là, il faudrait que je le rencontre. C'était vraiment. C'était une autre personne qui essayait de changer l'image, mais lui, de l'agriculture. Moi, j'étais de la pêche puis de la chasse. Puis, il parlait à plein de monde. Le monde est petit. Il parlait à plein de monde, puis il disait, moi, j'ai une idée. Je veux partir une marque de vêtements puis d'outils pour promouvoir l'agriculture à échelle humaine. On va redonner aux agriculteurs. Puis là, il y a un de mes chums qui l'a rencontré. Il dit, faut que tu ailles voir Fred Campbell. Puis s'il embarque avec toi dans ton idée, ton projet va partir. Fait qu'il est venu me voir. On s'est parlé pendant une heure, mais j'étais déjà inspiré par le personnage. Là. C'était quand même... Mm. Tu sais, je l'avais vu à tout le monde en parler une couple de fois. Fait que là, j'y ai jasé. J'ai dit, puis tu sais, ça reste qu'il a écrit un livre best-seller. Il a vendu 250 000 copies. Je sais pas, 175 000 followers sur les médias sociaux. Il est connu partout dans le monde. Fait que j'ai dit... C'est comme un don, mettons, pour starter des business? Ben, c'est que dans le fond, c'est juste si les éléments s'alignent, tu sais. Mm-hmm. Mais là, j'en aurais pas d'autres, je pense pas. C'est juste que lui, là, j'ai fait... T'avais tout. T'avais l'ambassadeur, t'avais la mission. Moi, j'avais les compétences. J'avais déjà tout dans le manufacturing. J'avais une équipe solide. J'avais un bâtiment. Fait que j'allais voir mon partner ce soir-là, ça, avant la pandémie, juste avant. J'ai dit, voici, écrit la convention d'actionnaire, voici les débats qu'on fait. Moi, je m'en vais en semaine en Suède pendant 3 semaines. Quand je reviens, la compagnie va être startée. Puis c'est le même qu'on a parti Growers. Fait que... Ah ouais? Ouais. C'est très hot. Tu es encore avec le même partner qu'au début? OK, ouais, ouais, absolument. Ouais, absolument, ouais, ouais. Ben ouais, oui, ça aurait pas pu avoir lieu sans... Puis c'est qui, lui? Sans lui, il s'appelle Mathieu Vézina. Okay. On le voit pas devant la caméra, mais je veux dire, pour monter une business comme ça... Et financièrement, il faut que ça soit solide. Fait que c'est un gars d'opération puis de finance hors pair qui est capable de gérer un créatif fou comme moi. Ah ouais. Puis, tu sais, dans l'histoire, j'ai déjà été tout seul, mais j'ai accumulé des dettes. J'avais peur de rien, mais t'as reçu une lettre de l'impôt, là, puis tu dois un nasty chunk. Là. Ah ouais. Fait que là, ben, dans les 100 000 piastres, là. Ah ouais? Ouais, fait que là, c'est là que Mathieu est arrivé. Je dis, regarde, on va effacer cette dette-là, mais check, j'ai les contrats, j'ai tout. Fait que... Puis à partir de ce moment-là, tu sais, l'argent. Commence à rentrer. C'est juste que, tu sais, mettons. Ben, il faut que tu fonces. Demain matin, tu sais, c'est comme vous autres, ça arriverait, tu.
tu t'en vas t'acheter 6 nouvelles caméras, tu te dis, c'est pas grave, moi je sais où que je m'en vais, je vais en faire de l'argent, ça ouais. va rouler. Fait que moi, c'est cette drive-là que j'ai toujours eu, j'ai pas eu peur de... Ça fait 24 ans que je suis en affaires, on a jamais manqué notre shot, fait que c'était plus... Non, c'est ça. C'était cette drive-là, mais cette vision-là aussi, tu sais, d'avoir pris les autres sports dans leur début, là. Tu sais, moi, le snowboard, là, quand je suis né, ça n'existait pas. Je l'ai vu qu'on n'avait même pas le droit d'aller ces montagnes. Je l'ai vu naître de rien à une méga business où Shaun White gagne les Olympiques. Je suis comme, hey, ça, c'est dans ma vie, là, ça, ouais. j'ai vu ça, là. Après ça, j'ai vu la même chose se faire avec le skate. Puis nous, on apprenait du skateboard, là, tout simplement avec une revue qui arrivait, un VHS qui arrivait chez EXO. Mais là, aujourd'hui, avec le web puis toute cette information qui roule là, ben tu peux propulser des brands beaucoup plus vite. Ouais. Là, je me suis dit, pourquoi personne... tu sais, quand t'as une brand de mountain bike, de skate, de snow, il faut que tout soit léché, tout soit parfait, tout soit beau. Tu penses à ça, tu vas chercher le monde le plus inspirant. Dans chasse puis dans pêche, pour moi, j'étais une image ou un stéréotype d'une époque qui avait jamais été révolue. Ouais. Ou qu'il n'y avait plus d'espoir sur les rivières, ouais, la pêche ouais, au saumon. Ouais. J'ai dit, hey, c'est tellement... Comme, c'est ma passion ouais. première. Il y a tellement de belles opportunités là. J'ai dit ça au monde, je me pars un brand, on va révolutionner ouais, la ouais. pêche à la mouche. Puis le monde était là, calice, non mais waouh! Tu t'entendais les mouches voler, tu sais. Ouais. Mais je dis, garde, 10 ans plus tard, là, c'est... Ben, check c'est les vêtements, projet. Les techniques qui existent aujourd'hui, les techniques de pêche, les cannes, on s'en vient pour être ouais. une brand pan-canadienne, européenne. Tu sais, j'étais à Toronto la semaine passée, puis on s'est fait acclamer par les plus grands hommes d'affaires pour ce qu'on a fait dans le monde du saumon. Puis c'était ça le but, là, tu sais. Ouais. Moi, après ça, ouais. Qu'aujourd'hui, on est une brand plein air, puis qu'on en vend dans des détaillants partout, c'est cool. Ouais. Mais l'ADN, elle a jamais changé. Fait que, si t'aimes ma marque, tant mieux. Puis, mais à la fin de l'année, je vais donner de l'argent au saumon, je vais en donner à Ducks Unlimited, je vais en donner avec des beaux projets comme le camp. Tu veux réinvestir dans l'avenir un peu de la fonte plafolore? On veut être un peu comme les... Tu sais, le concept de marcher avec la nature, puis aussi de juste changer la vision. C'est juste comme... check. Pensez-y, là, avant de rentrer dans le bois, il y a une façon de le faire, avant de récolter, comment récolter. Ouais. Tu sais, des glacières pleines de poissons avec un ice pack dedans, là. C'est pas beau, là. Ouais, c'est correct, ouais. Moi, j'ai pas rien contre ça, mais tu sais, je veux dire, je vois une pourvoirie, puis le gars, il me dit, « il m'en reste deux, je m'en vais sur un lac de fin de quota. » Je suis comme, man, c'est correct, mais tu sais, là, c'est comme industriel. Ça l'envoie ça dans une sous-vide à côté. J'ai genre des glacières de poissons. Ouais. Je suis comme, c'est correct parce qu'il y a beaucoup de. Souvent, c'est du monde un peu plus âgé que j'ai rien contre ça, mais dans le fond, c'est qu'ils ils se font pas montrer ce côté-là de préserver puis de faire attention. Ah, c'est comme ton petit gars, il va pêcher. Les dans médias quoi, sont pas orientés vers ça. Ils nous montrent comment récolter plus. Fait. Ouais, effectivement. Mais tu sais, moi, j'ai pas d'opinion non plus. Je fais juste dire, moi, je voyais que je pouvais faire une différence dans ce milieu-là. Mais on vit dans un monde où c'est hyper axé sur la consommation excessive. Ouais. Ce qui fait que tu t'en veux toujours plus, t'en veux plus pour ton argent, puis tu sais, que ton trip, t'as coûté le même prix à deux places, mais qu'il y en a un qui te ramène 200 trucs, puis l'autre deux. Mais tu vois, comme le monde va opter pour la quantité, tu sais. Ces gens-là, ouais. Puis on n'est pas de cette opinion-là. On veut préserver la nature, on veut que nos arrière-petits-enfants, mettons, ils puissent pêcher. De la truite aussi, mais comme après, ben ça commence par des petits gestes comme ça, de catch and release. Puis ouais, c'est ça. Puis on veut que, tu sais, Mathieu, 24 ans, avocat dans la ville de Québec, qui n'est jamais allé dans la nature, voit un portrait de quelque chose qui y parle. Ouais. Pas genre le stéréotype qui s'est toujours fait montrer, puis qui dit la pêche pour moi, c'est ça. Là, c'est... Mais ça change, c'est bon. Là, moi, tu sais. Le dimanche matin à RDS, je l'écoutais, mais ça me parlait moins. Mais là, le dimanche ou le samedi matin à TVA, ça commence à être solide. Ouais. Là, t'sais. Les Road Hunt, Born to Hunt, José Boily, Phonique. Ouais. Tu vois que ça change. T'sais. La mentalité change. Puis l'image change. Fait que, là, tu vas avoir plus de monde comme José. Plus de...
tu sais, c'est simple. Pas que c'était mauvais avant, là, c'est juste que... Vous êtes en partie une raison de ce changement de mentalité-là depuis le temps que vous êtes instauré là-dedans. Puis pour vrai, genre, c'est tout à votre honneur autant qu'à d'autres compagnies qui sont là depuis aussi longtemps que vous. Là, c'est hot, là. Tu sais, moi, là, dans le fond, là, si tu regardes la finalité de ça, c'est dire c'est possible. Mais... Mm. Tu sais, je veux dire, quand je regarde ça, je dis « check, man, moi, j'étais même pas là. » Puis là, aujourd'hui, c'est devenu que... Tu sais, il faut que tu mettes l'énergie, évidemment. Ben, vous dites que vous êtes rendu à 12, à 13, vous le faites à chaque semaine. Ouais. À un moment donné, ça mène à d'autres choses. À un moment donné, vous comprenez de quoi. Faut foncer. Vous bifurquez, vous faites autre chose. Mais il y a une place énorme dans cette industrie-là pour le changement. T'sais, moi, c'est de même que je vois ça. Tu sais, rentrer en forêt puis tuer des animaux... puis faire... Puis remettre la shot trois fois au ralenti. Ouais. OK, mais ce client-là, il existe déjà. Tant mieux s'il est satisfait de ça. Ah, c'est mais je pense que, tu sais, ça l'aide pas à démocratiser ce sport-là. 100%, ouais. Moi, personnellement, ce que j'aime le plus de la chasse, c'est pas de le tuer. C'est malgré tout que j'en tire beaucoup de... Je sais pas si c'est de la joie ou quoi, mais... Le fait que je suis allé dans le bois. Puis d'émotion. Tu sais, pêcher, c'est une chose, mais le sentiment que tu as quand tu traques un animal, je reviens à nos ancêtres. Si on n'était pas capable de parler ou de communiquer, quand on se sent allumé en forêt, c'est parce que c'est dans notre sang. On est comme des loups, nous autres. On n'est pas nés pour être devant des ordis, puis faire des podcasts, puis prendre des photos. Non, mais tu sais, quand tu traques, tes sens sont tous allumés, tu sens que tu es inférieur, tu te sens vraiment là, dans une espèce de patente où tu es un animal qui est en train de... C'est dans nos veines. Ouais, moi, c'est pour ça. Je l'essaie avec du monde. Je dis, juge pas avant de l'avoir essayé. OK, t'as pas aimé ce que t'as vu, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est normal. Mais vis-le pour vrai, puis tu y vas, Des chasses, mais viens, puis là, j'ai amené ma blonde cette année... Puis, pour la première fois ou... Pour la première fois, je l'ai amené en Scosti, je t'achète le chevreuil. Nice. Avec une gang de boys, puis tu sais, j'ai dit, tu vas le comprendre, puis elle a tellement aimé ça, là. Puis c'était pas... elle a tué un chevreuil, j'ai montré comment l'arranger, on a mangé le cœur, puis j'ai dit, garde, maintenant, tu sais, c'est pas tout le temps la chance de le vivre, là, mais moi, je pense que c'est ça aussi, tu sais, don't judge a book by its cover, là, parce que la couverture, souvent, c'est un gars assis sur un animal mort. Là. Ouais. Mais c'est pas ça, la chasse, je pense, pour la plupart des. Puis elle a trippé, c'était-tu le premier gibier qu'elle récoltait ou genre. Je l'ai amené dans le Grand Nord, puis Caroline, on avait rien. Les caribous étaient pas là dans le temps qu'on pouvait chasser. Elle a trouvé ça plate, là. Quand tu vois rien dans le bois, par exemple, c'est long en estime. Ouais, mais là, tu sais, en tout cas, c'est arrivé, c'était une histoire là, débile. Elle est arrivée au chantier, on était trois boys, on tirait, tu sais. Oh, ok. Là, ma blonde a tiré. Paf, là, on est là. T'as même pas eu, esti, regarde. Là, check dans les jumelles. Tu sais, le petit rond, là. Noir dans le rouge. Chris, je veux dire, toute ma vie, je l'ai. Tu sais, pas. Tu sais, là, c'est à peu près gros comme une balle. Ça déchire, souvent, tu vois à gauche ou à droite. Tu sais, ça a rentré dans le bullseye, mais ça a, tu sais, un genre de bullseye parfait. J'étais là, fuck, man, débile. Aïe. Puis là, le lendemain, je dis, chasse fine, comment qu'elle va? Ouais. Là, on l'installe à quelque part, puis là, on fait un peu de rattling, puis là. Elle dit, laisse-moi tout seul. Je dis, OK, mais je me dis, anyway. Mais tu sais, j'étais un peu con parce qu'à la place de dire, regarde, s'il sort, tu sais, tire-les, attends, puis appelle-moi. Puis... Ouais. Là, je dis, je la laisse là, mais je pense pas de la coacher. Je pars. Mais j'ai montré un dessin d'où tirer, par exemple. OK. Je mets à marcher. Puis là, 15 minutes, putain, j'entends bang, mais tu sais, 15 minutes de marche, quand même, un petit bout. OK. Et je me dis, c'est sûr, c'est elle. Puis là, après, je vais la retrouver. Elle pleurait. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, j'allais tirer, tomber drette là, paf, comme une poche de patate. Ouais, on tire. Ouais. Fait que là, elle avait de la peine, mais elle avait aimé le thrill. Puis après ça, on l'a arrangé. J'ai tout expliqué, l'anatomie, tout ça. Puis elle l'avait eu direct dans le cœur. Fait que je te dirais que si, mettons, je pense que les filles sont. Tireuses dans. Ben... Dans pêche à la mouche, puis dans la chasse, on dirait que. À la place de dire, hey man, que tu stresses-toi pas, je vais l'apprendre moi-même. Là. Il écoute, puis il s'applique vraiment. Ah ouais, c'est fort. C'est souvent les guides. Les guides. J'ai amené ta blonde sur, toi. Les instructeurs de. À part qu'il avait peur du 12. Mais non, pour vrai. Ouais, c'est quand même imposant le bruit. Mais oui, pour vrai, ouais. On dirait qu'il te voit aller, ou ben tu leur expliques.
Puis on, t'as l'impression qu'il t'écoute pas, mais elle t'écoute crissement, puis finalement, elle s'applique. Faut faire, en tout cas. C'est la même chose, tu sais, elle vient de Baie-Saint-Paul, son père, il a de l'air d'un autochtone, puis elle a de l'air d'une Innu. C'est sûr qu'on a ce sang-là en nous qui fait que peut-être jamais tu vas avoir la chance de traquer un animal, mais là, malheureusement, j'ai donné l'opportunité. Pendant 4 jours, elle a traqué le chevreuil, elle s'est fait siffler, elle a adoré ça, elle se sentait là, vivante là-dedans, parce que c'est en nous. Ouais, veux dire, c'est pas possible. Là. C'est, prends un loup, là, puis fais-y à croire qu'il a pas envie d'aller. C'est un carnivore. Là, genre, ouais. C'est un animal. On a ça en nous. Tu sais, fait que 99,9% du monde vont jamais avoir la chance d'animer ça. Mais je pense que quand tu l'allumes, on est genre, oh, OK, on a quand même les capacités de traquer, puis le. Ah ouais, 100%. Mais hey Fred, on va prendre une petite pause de 15 secondes, puis on revient. Ouais, ça va tellement vite, ça fait déjà à peu près 27-28 minutes. Fait que petite pause, puis on revient dans 15 secondes. Ben oui. Hey, j'ai une petite question pour repartir le podcast, on en revient juste de la pause. Je veux savoir c'est quoi l'expérience de passer à dans l'œil du dragon. Je veux que tu nous expliques un peu comment ça marche, puis comment se déroule le tournage dans le fond de cette émission-là. Ben en fait c'est comme un peu c'est dans le fond au début tu regardes ça puis tu te demandes oh, j'ai-tu vraiment besoin d'un investisseur ou je veux de la publicité. Fait que premièrement tu penses à ça. Deuxièmement ils prennent pas n'importe qui. Fait que là tu remplis une petite forme puis sélectionne les gens qui te rappellent. Puis faut que tu fasses un genre de vidéo pour te présenter puis cette affaire là ou genre ouais tu peux faire une vidéo mais tu remplis un questionnaire surtout là quand même avec ben des questions là. Okay. Puis là t'arrives là puis tu te rends ben des questions. ouais. Mais tu sais moi j'avais pas crainte qu'ils nous prennent pas. C'est quand même flatteur quand ils te rappellent. Là t'es là wow man, ok man, sérieux vous voulez venir ici. Je dis, ben oui ça va être cool. Mais je reviens à quand je suis allé là, puis ce que j'avais dit, puis ce qu'on est devenu, c'est capoté. Là, mais t'arrives là, puis dans le fond, ils t'accueillent, puis là, ils te montrent un peu le studio. Puis après, c'est ton tour. Ah ouais? Ouais, c'est sûr que tu prépares ton setup. Puis après ça, 5, 4, 3, 2, 1, puis là, t'arrives, boum. Puis là, il y a comme un genre de rideau qui roule, puis tu montes les marches, puis... Puis on a. Ça me fait juste penser qu'on a un de nos partenaires avec Connect, Edouard, qui est allé justement. Puis lui, il disait que, comme sur l'émission de, je pense, c'est comme 23 minutes, une émission en général, là. Fait que, il y en a tellement qui montent pas. Puis il y a des choses, des fois, que tu aurais aimé peut-être qu'ils montrent, mais qu'ils n'ont pas montré toute la négociation qui peut être beaucoup plus longue. Ouais, mais dis, moi, ça m'inquiétait pas. Tu sais, je m'en dis, mettez ce que vous voulez à la fin de la journée. Tu sais, ça a bien été. Fait que. La première fois, on demandait, je pense, 150 000 pour 10%. J'avais été jusqu'au bout avec Dominic Brown pour la fin de l'année. Ça aurait été un bon investissement pour lui s'il l'avait fait à l'époque. Ouais, ça fait 5 ou 6 ans. Mais il aurait fait 10 fois sa mise, sûrement. Mais non, finalement, c'était bien honnête. L'investissement, il avait été honnête. Puis il y avait un autre gars là-dedans, on l'avait tassé, j'aimais pas son attitude. Mais finalement, la business, elle avait vraiment eu un bon kick. Puis je trouvais que avec son expertise, c'était plus « Hey, on va être des chums, mais je veux pas te donner 10% à cette stat-ci, je n'ai pas vraiment besoin. » Puis Growers, ben c'était la même chose. Mais c'était plus un investissement cette fois-ci. Puis les deux fois, ça s'est déroulé super bien. On était vraiment... C'est quand même flatteur. C'est une belle vitrine. Tu arrives là, puis tu... Ben oui, c'est beaucoup de publicité. Puis ça doit être flatteur de voir qu'il y a des investisseurs milliardaires, ou en tout cas minimum millionnaires, là, qui viennent, puis que genre ils croient ton projet assez pour vouloir investir. Là. Ouais. Ça doit être très flatteur. Là. Ouais, c'est intéressant. C'est quand même, tu sais, je veux dire, ça valide ton concept. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis. Il y en a qui y vont, là, puis ils se font ramasser. Ouais. Là, une petite adrénaline de faire son speech devant eux, ça doit être vraiment... Tu sais, je veux dire, Colin, j'étais pas trop inquiet, là. Non, c'est ça, exact. À la fin de la journée, on savait quand même. Mais la deuxième fois, j'étais là, hey, deux fois, deux brands, toutes les chaises qui se retournent, ils embarquent, j'étais comme...
Tu sais, les autres, t'es comme, man. Growers, partie, c'est juste pas ma passion première, mais quand tu le regardes, c'est un autre brand tellement, ouais, tellement solide. Fait que là, je suis rendu que mon but, c'est d'y aller trois fois. Non, mais c'était pas volontaire. C'est juste que j'ai dit à l'équipe, je veux dire, sûrement que ça pourrait aller. Puis là, après, je suis sorti, je disais à Jean-Martin, là, j'étais émotionnel. Je dis, t'es, man, ta business, ça vaut 3 millions. Fait que calculer comme tu veux. Hein, c'est fort. Fait qu'au final, t'as eu les deux fois ce que tu voulais, puis par la suite, par après, c'est quoi? T'as-tu comme racheté les parts de l'investisseur ou c'est juste... Non, en fait, c'est une entente verbale qui est loin d'être une vraie entente. Là. Okay. Fait qu'après ça, ça peut être la personne qui se désiste, ça peut être nous qui se désiste. Mm. Puis tu sais, il y a un gros processus de due diligence. Ouais, c'est ça, après... Il faut quand même que, tu sais, ils vont... Si tes gens-là sont pas là pour investir, t'sais, les yeux fermés, là. Fait qu'à la fin de la journée, comme tu vois avec la fille de Prana, avec mon autre business, on est encore en bon terme, mais on avait comme conclu, tu sais, je pense qu'elle avait fait un peu une action, c'était moins sincère peut-être, parce plus que j'ai dit, ah ouais, voici le... Elle dit, ouais, j'ai pas tant d'argent. Hein, ah ouais? J'aimerais mieux plus tard peut-être. J'ai dit calice. Okay. C'est plus, plus de parure beaucoup. Mais c'est plus show de TV. C'est un show, il y a du vrai dedans, mais il faut quand même comprendre que à la fin de la journée, ça se peut que il se relance pour bien paraître. Ouais, c'est ça, l'entente se fait pas en disant j'investis ça, compte ça, j'accepte, good, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il y a de la paperasse. Faut quand même que t'ailles là aussi en te disant que, en comprenant c'est fait pourquoi ce show-là. Ouais. C'est pour donner une vitrine aux gens, tu peux te faire planter comme tu peux réussir, mais faut pas t'ailles là en t'imaginant que tu sors avec ta petite mallette plein d'argent. Non, c'est là. Ça. Non, c'est pas après un pitch de vente de 15 à 20 minutes qui est comme. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui va vouloir signer direct là, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai utilisé une chose dans ma vie, puis je sais pas si ça se dit mieux en anglais, là, mais tu dis « Do great things and money will follow ». Fait que, tu sais, pense rien qu'aux great things, puis le reste va suivre. Ouais. Si tu penses à l'argent, tu vas te perdre. Essaye d'être le meilleur au monde dans quelque chose. Pense à ça. Ça, c'est ça qui fait une bonne business. Fait que si t'es pas capable, tu dis, ben, tu pourras pas être propulsé. Ouais, vraiment. Tu sais, moi, c'était ça. Je dis, je pourrais pas être le meilleur au monde dans les films de skate, je peux pas être le meilleur au monde dans les films de snow, je peux pas être le meilleur au monde dans pub, je peux pas. Mais je peux être le meilleur au monde dans les films de pêche à la mouche. Ouais. Sur ce qu'on a fait, on a gagné des grands festivals, puis tout. Fait que. C'est fort. J'avais les critères pour le faire, là. Fait ouais. Mais j'ai une bonne école de pensée qui te propulse tout le temps vers en haut, là. C'est... Ouais, j'étais toujours grandé sur ça, de me dire. Il y a une opportunité à quelque part. C'est tellement beau, puis c'est tellement authentique. Dans le fond, ça rimait avec... C'était un super terrain de jeu, moi, en plus avec la préservation, la conservation, la beauté du poisson, le vieillissement de tout ça. Peut-être la perte d'enthousiasme vers quelque chose. Fait que là, aujourd'hui, les rivières regorgent de monde. On parle de protection, de conservation. On a des couples, des enfants, des femmes, des grands-parents qui pêchent à la mouche. Puis tu sais, ça n'a rien à voir avec ce que la pêche est supposée d'être. D'aller pêcher pour ramener à souper. Là. C'est pas ça, pas en tout. Non, tu changes le mindset, veux pas, là. Ben, parlant de ça, là, vous autres, vous êtes à TVA Sport, c'est ça? Non, nous, on n'est plus... on était à Uni, mais là... On est comme... tu sais, on était à Uni puis à TV5. On a fait un bon bout, là. On a fait 5 ans, 13 épisodes par année, chasse. On a fait 4 de pêche, 5, une de chasse. Okay. Mais je pense qu'après ça, on s'est vraiment usé. Tu sais, il y a des gars qui ont fait 26 épisodes back-to-back partout dans le monde. Pour arriver à un point, tu sais, c'était comme... C'est bon, ça joue encore là, en repeat. Puis là, aujourd'hui. À un moment donné, t'es comme. J'ai goût de faire autre chose, genre. Ouais, ben, c'est usant. C'est très usant. Ouais, si tu veux faire un bon show, là, ben, c'est quand le show il est bon, là, dis-toi qu'en arrière, il y a du jus de bras, puis il y a de la sueur. Puis une gang de boys partout qui essaie de pogner des poissons. Que nous, on veut parler de la culture, on veut présenter les gens, on veut être différent, on veut être le number one show. Puis, tu sais, veux pas dans cette industrie-là, je pense qu'on est, à part Cyril Choquette, on est dans ceux qui ont réussi à financer pour de vrai, là, tu sais.
Ouais. Je veux dire, on avait toujours bien 750 000 par série, là, ce qui était plus pas mal que je pense que l'industrie. Fait que nous, on se prostituait pas pour faire du contenu. Ouais, c'est ça. On avait les moyens de nos ambitions, mais ça reste qu'on voulait quand même être extrêmement de qualité. Puis tu sais, prends une gang de boys, puis mets-les sur le bord d'une rivière, puis prends le réalisateur qui dit « t'as pas le droit de pêcher jusqu'à temps que je te le dise ». Ouais. Puis fait, tu sais... Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, c'est pas... tu sais, on c'est cool faire des films de pêche, c'est cool, mais l'objectif était de faire les meilleurs, puis de le faire bien. Fait que ça a été instauré dans l'équipe. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont passé à travers la machine, OK? Des jeunes passionnés, puis ça a été un tremplin pour eux, mais tu peux pas te dire que c'est une école qui est pas faite pour tout le monde. Ouais, ben oui. Pas de demi-mesure, puis tu veux filmer les aurores boréales, tu veux faire ça, il te manque une cote. J'en ai des histoires de fous, là, que... Ouais, j'en doute pas. Ouais. Je veux dire, c'est comme le monde, il regarde ton film, ou peu importe c'est quoi, puis que ce soit une énorme qualité ou pas, tu sais, que ce soit nous, que ce soit des boys qu'on a parlé tantôt, peu importe qui, c'est pas genre, les autres, ils ont du fun, puis ils sont dans la pourvoirie pour le fun, fait que ils nous montrent leurs images. Faut voir en arrière de ça, là, le montage, après ça, les heures que tu mets, voyons comment je peux dire ça, la structure de... tu t'es préparé, l'argent que tu as investi dans les caméras, tu veux avoir les meilleurs concepts, tu veux trouver des idées d'interviewer certaines personnes, faire connaître certaines choses à du monde. C'est de la job en fait. Ben, puis même, des fois, là, genre, c'est une seconde de take dans un vidéo, là, ça a pris genre fucking 15 minutes de la filmer pour avoir le bon focus, le bon éclairage, la bonne séquence, la bonne action. Là, c'est... 40 minutes l'éditer, 15 minutes la filmer, mais c'est au final, là, ça dure 1,5 secondes. Puis il y a du monde qui, pendant ce temps-là, il écoute ton film, puis pendant ce temps-là, il se tourne la tête 2 secondes, puis l'on jamais vu, ouais. Ça prend une heure, ben, c'est... Mais fou, l'objectif, là, nous, c'était pas d'avoir une émission de pêche puis de chasse à une heure d'écoute moins favorable. Ouais. On voulait être le number one show sur Uni le jeudi soir, 20h, boum. Puis on leur a vendu ça, puis ça a marché. Ouais. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas gagné, mais on a été nominé 3 fois au Gémeaux pour un show de chasse et pêche. Ah c'est ouais, c'est mon gars, pareil. Hein? Je veux dire, à côté d'un chef à la cabane, les shows à Radio-Can. À un moment donné, j'étais allé au Jameau. Je venais de finir de pêcher sur la Matane avec des gars de la Suède. Je disais, il faut que j'y aille. Là, j'étais allé au Jameau. On était là, assis dans la salle. J'étais assis avec les gens, avec Guillaume Lepage à côté. J'ai dit, tabarnak, c'est on gang, man. Qu'est-ce qu'on dit? Puis là, j'ai commencé à y croire. J'étais là, hey, man, on a une chance. Mais ouais, les autres choses, c'est peut-être plus d'intérêt public. Fait que là, il l'annonce. Oh. Ouais. Mais mine de rien, là, genre. Vous avez gagné un prix, right? Pas un prix, mais je veux dire, t'as dit 3 sur 4. Ben, t'as reçu un petit carton, là, une nomination. T'as dit là, 3 sur 4 que... Non, on a été nominé 2 fois pour la pêche, 1 fois pour la chasse, mais tu sais, c'est quand même, ça dépend de ces années-là, mais tu sais, on était contre un chef à la cabane une année, c'est quand même la plus grosse émission d'intérêt public. Là. Ouais. Après ça, c'était genre, je m'en vais à Rio qui trace le portrait de 13 athlètes olympiques. C'est comme ça aurait pu, mais tu sais, il y avait quand même. C'est juste des challenges que dans le fond on accomplit. Puis c'est juste flatteur de dire hey, ben, c'est un sujet-là là, qui pense que c'est une gang de mon oncle. Là. Non, là, on est rendu dans vraie patente là, ouais. Pour arriver qu'on est un peu une exception à. Ouais, à la règle. Puis ouais. Ben, on en connaît tous des chasseurs et des pêcheurs là, dans notre entourage. Puis même les gens qui chassent pas, leur grand-père ils chassent, whatever. Puis c'est pas tant un créneau qui est petit, la chasse pour la pêche. Là, genre. Non, des fois on se dit c'est niché, pas pendant tout. Non, mais tu sais, c'est presque loin. Si ton émission c'est de parler de beurrer une souche avec de la pisse, puis de la crème, puis de la... Ouais, c'est un peu normal que c'est pas intéressant. Là. Ouais. Malgré qu'on l'ait un chasseur, mais. Ouais, faut que t'ailles. Ouais. Ça se peut que quelqu'un qui connaît pas ça se dise ouais, c'est pas pour moi. Ouais, c'est ça, exact. Il y avait pas cette. Dans ce qu'on faisait, il y avait pas cette problématique-là. T'sais, pour ceux qu'on est moins dans cette. Je trouve qu'il y en a qui le font très bien, mais je suis moins là-dedans. Là, des bêtes regorgées de nourriture, puis d'arriver. Tu sais, je n'ai fait une chasse à l'ours pour sûrement plus jamais refaire parce que. J'étais comme, man, sérieux, là? Ouais. Malgré que j'ai rien contre ça, mais je regardais, j'étais comme, c'est ça qu'on fait? Ouais. C'est vraiment ça qu'on va faire, là? Ouais. Puis là, toi, t'es mon guide, puis tu... Qu'est-ce que tu fais, man? T'as mis une petite paquet de crap, là, puis tu me dis qu'elles sont vraiment furtives, puis qu'il faut swatcher.
En tout cas, lui qui est là, là, il s'en calisse pas mal de nous autres. Fait que quand tu veux, je vais le tirer si c'est ça qu'il faut faire. Ah, c'est ça. Fait qu'il y a certaines affaires. Non, mais c'est vraiment en perspective, des fois. Ouais. Tu sais, je dis, moi, le traquer un orignal, le coller qui arrive, je dis, hey, pas que tu mérites de mourir, mais je mérite quand même de te récolter. Ouais. J'ai fait un effort, le dindon. Ouais, c'est fou. Ouais. Le chevreuil. T'sais. Mais tu sais, je suis pas en train de porter un jugement, c'est que des fois, j'ai des expériences que j'ai vécues pour ne plus les revivre. Pour savoir si, ouais. En me disant, dans ma mission, celle-là, il garde pas dedans, là, ouais. Malheureusement. Là, ouais. Ça, ouais, effectivement. Ça marche pas pour moi. Puis, tu sais, j'ai passé 2 jours avec une sage-femme autochtone qui m'a tout expliqué, l'ours, son importance, comment il, c'est un être spirituel. Puis quand il meurt, il crie. Puis tout ce que l'ours mange, l'humain peut manger. Puis en tout cas, fait que là, j'ai fait le moins correct. Regarde-moi. Ouais, lui, c'est ça. Mais au niveau de Ouké, là, je voudrais savoir, genre, le noyau de Ouké, c'est qui? Dans le fond, toi puis tes boys ou peu importe, puis ça, comment ça a commencé, le premier move? Genre, la première chose que vous avez faite en disant on part Ouké, c'était quoi votre première idée, mettons? Ben, la première idée, c'est que Ouké n'existait pas, mais t'avais Vincent Bertrand, Jeff Bourdage, Mathieu Vanout, puis Jérôme Beaulieu en 2011, juste avant Ouké. Hey man, on va pêcher le saumon fin mai, rivière Restigouche. Là, on peut comme ça mettre sur le bord. On a des grandes cannes à deux mains. Là, l'eau est haute, on va lancer loin. Je suis comme Chris, va te craquer. Les boys, on se connaissait toutes pas, je pense. Ah ouais, en plus. Ouais, mais tu sais, c'était pas comme c'est là. Je veux dire, c'était quand même. Tu sais, 6 jeunes qui pêchent à mouche, j'avais 30 ans. Fait que là, on va là, on passe du bon temps, de la neige sur le bord. On avait une bouteille de scotch là, on poignait des saumons. On trippait, moi j'avais décidé de filmer ça. Fait que là, je filme ça. Je mets ça en ligne. Vimeo, Facebook existe. Comment est-ce que Facebook existe? Hey, je sais pas, moi. Facebook existait, mais il n'y avait pas l'option vidéo. C'était le début, là. Il n'y avait pas de vidéo, puis de reel, puis de. C'était Vimeo. Puis YouTube, c'était pas encore. C'était moins beau, est-ce que. Ouais. Puis j'avais déjà ma boîte de prod, mais ça, c'est Vimeo. Paf, là, le mushing, Orvis, look at these cool Canadians, banana. Là, je disais, hey, les boys, il me semble que c'était cool. Je dis, moi, esprit de gang, skateboard, snowboard. Ça te connaît, là? Qu'est-ce que. Ah ouais, on avait utilisé Messenger. Je dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? On trouve un nom à notre gang. On se met à changer des noms. Hooked and gun, guns loaded, guns hunting. Ah ouais. Tu sais, comme là, je dis, hey, là, on se dit hooked and loaded. Je dis hooked. Hooked, man. Ouais, c'est what fort. The fuck? C'est le bon de la rivière? Si, non, dans notre conversation. Messenger. Qui est rendu Messenger. Sur Messenger. Rendu sur Messenger, ouais. Je dis, man, shit, tabarnak. Là, je vais voir mes graphistes, je dis, on fait un logo, man, on met une mouche, écris-moi OK, puis là je vais faire une casquette, puis là je vais faire un blog, puis là je dis, boys, on va à Souche, là, pas à Souche, la Barberie, on prend une bière, je vais vous montrer de quoi, checker ça, man, OK, c'est quoi, je dis, c'est juste nous autres, man, gang de boys, man, OK. Ah ouais. Là, je fais une calotte, là je refais un autre film, puis là le monde il dit, où qu'on peut acheter la calotte? Ça va être tabarnak. Ça part, là. Ça part. Là, je dis, Chris, ils veulent la calotte. Je dis, non, mais les calottes, ça financera pas assez mon ambition. Fait que je dis, je pars un brand. Je vais voir mon partner. Je dis, on part un brand. Je te jure, avec les visionnements qu'on a là, on va créer des vêtements. Puis la seule place qu'on va pouvoir les acheter, ça va être direct sur notre blog. Ah ouais, mais. Fait que là, il dit, je dis, comment l'argent que ça va prendre? Il y a moyen, mais ça. Combien ça a pris au début? Ah, je sais pas, man. C'est partir Ouké, là, c'était plusieurs centaines de milliers de dollars. Là. C'est ça. C'est pas calculable parce que c'était comme j'avais une business qui générait de l'argent, mais j'assiphonnais tout dans une idée. Fait que, tu sais, à un moment donné, mon associé a dit, garde, là, je dis, comment que ça va prendre? Là, il dit, ben, il va falloir que tu ailles vendre cette affaire-là au magasin, au retail. Dis, oh, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Si parce je me que... trompe pas. Petit catalogue, mon sœur, la tulipe. C'est un peu, man, on va checker ça. Il y a 10 000 piastres. Hein?
check ça, man. Pas genre 200, 10 000. Qu'est-ce, d'après moi, ça va bien aller. Fait que là, tu sais, c'est pas long qu'on avait peut-être 50 ou 75 000 piastres de bons de commande. Ouais. Puis là, après ça, là, c'était parti. Là, je disais, OK, parfait, les films, j'ai investi en marketing. Nanana. Faut que j'engage des patronistes. Faut que j'engage ouais. un designer. Fait que là, j'entends parler qu'un gars, il avait un brand, et il va peut-être s'en aller à Montréal. Je disais, il faut pas laisser partir. Lui, il a tous les contacts, les manufacturiers. Fait que de fil en aiguille, j'embauchais du monde, mais ça, la pression financière, c'était comme... Tout à côté. Ouais, mais là, tu sais, fuck, pêche à la mouche, man. C'était comme, what, man? Ouais. Tu vois? Fait que, tu sais, ça a grossi. Là, tu sais, on était rendu à... Il y a une époque où on avait peut-être, je sais pas, 50 détaillants, on faisait... 200 000, je sais pas comment, là. Ça allait pas si pire, là. J'arrive avec l'idée de faire un magazine, nanana. Mais là, ça a tout changé quand on a signé le contrat télé. Ouais. Tu sais, je veux dire, veux ça pas... Ça refait de bord, c'était publicité. Ça finançait direct, là, toute mon équipe de prod. On avait des revenus, puis on avait une opportunité de se démarquer. Ouais, parce regarde, que... ça fait longtemps qu'on a ça, on a... J'ai signé le contrat, j'ai la slot. Je suis pas genre dimanche à 9h. Là. Ouais. Jeudi, 8h, prime time. Tout le monde va nous écouter. C'est la révolution. Les boys, tchac, on passe à la route. J'écris les histoires. Chut, ça, c'est les 8 premiers shows. Tac, 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 tac. Ouais, parce qu'à ce moment-là, t'as comme dépris de la gorge, puis t'as donné un petit lus pour dire, OK, qu'est-ce que je recrée de plus, puis où est-ce qu'on s'en va de plus loin encore? Ben, c'est, là, t'as pu continuer. C'est ça que j'ai dit, ça, c'est le nerf de la guerre. On va être ouais. habillé là, avec mon nouveau style, mes nouvelles affaires. Fait que là, man, là, on est sur la télé. Facebook, c'était pas encore des algorithmes que tout était bloqué. Mm-hmm. Tu mettais un teaser, t'avais réellement 200 000 views des fois. Là. Ouais. Fait que là, ça... Comme TikTok aujourd'hui, qui va s'en venir probablement un jour comme... Puisque c'est là. Ouais, c'est man, ça. Ouais. Moi, je suis moins, mais si ça marche, là, je veux dire. Ouais. Mais man, des centaines de milliers de vues, là. Comme ça. C'est une chose qu'il faut savoir ouais, aussi. Fois, ouais. Ouais. C'est on que... a eu 9,5 millions l'autre jour avec un. Ouais, tu sais, c'est immense. C'est mon gars, là. Mais ouais. Une chose qu'il faut savoir, c'est que vos vêtements aussi, ça n'a jamais été comme des articles promotionnels non, comme non, tout non. le monde fait. Ça a toujours été des vêtements techniques, oh, des oui. nouveaux, des nouvelles choses qui n'ont jamais été vues, puis de plus en plus. C'est des vêtements, tout le temps été des vêtements de qualité aussi. Je savais que monter une marque, supérieure. Il ne voulait pas se perdre dans... Peut-être que ça allait être plus long, passer le message, mais ce message-là de conservation, préservation, amant de la nature, il fallait que ça la laisse propager avec un vêtement de qualité puis des images de qualité. Puis je regarde, j'ai écrit sur un bout de papier notre mission en 2012. Puis là, j'arrête pas de dire... On devrait pas... On l'a jamais changé encore. T'sais. Ah ouais? Authenticité, préservation, conservation, communauté. Ça, c'était les quatre piliers. Puis après ça, promotion de la chasse éthique, la pêche durable et la vie en plein air. Puis dans le fond, dire où qu'on est rendu là, je dis que on n'a pas dérogé de... Vous êtes encore sur la même ligne directrice. On n'a pas dérogé d'être là, tu sais, puis on... C'est comme un mini plan d'affaires condensé, là. Ouais, tu sais, il y a des affaires, des fois, moins le fun en affaires, que tu pars en affaires, puis c'est une gang de chums, de boys, puis là, il faut que tu te départisses de certaines affaires parce que le jus de broctomie... L'argent que t'as mis, c'est pas la même... Tu sais, pas tout le monde a fait les mêmes affaires. Fait que, tu sais, il faut juste... C'est ça, les petits conseils que je pourrais donner. Tu sais, le plaisir de... Moi, j'avais ça en moi, là. T'es un ouais. entrepreneur, fait que j'étais correct, mais... Tu sais, l'esprit de gang de chum, mm-hmm. Si ça devient une business, faut quand même que tu sois bien établi pour mettre les barèmes clairs ouais. pour pas que ça devienne... Fait que ça, tu sais, j'ai réussi à bifurquer... il y a certains gens du début que j'ai fallu que je bifurque, qu'on est moins chum aujourd'hui, mais c'est des choix d'affaires que c'est comme un peu... des fois, c'est le malheur d'être l'entrepreneur, mais tu sais, faut quand même que t'avances ah, tu grindes, tu te faufiles. Puis... Fait que là, mettons, mettons, des cinq du début, il resterait qui... Qui est encore là aujourd'hui? C'était comme un film. T'sais. Tout le monde ouais. pêche encore, mais t'sais, c'est qu'il y a personne qui restait à Québec. T'sais. OK. Fait qu'à la fin de la journée, c'est tout du monde que t'sais, on va se voir, on va se dire salut, mais dans la partie intégrante, moi, le monde de hockey, c'est mon staff. Après ça, les ambassadeurs, puis tout le monde, mais ça, c'est tout le monde. Mais t'sais, j'ai pas de gens dans les films qui pêchent, à part Juliette aujourd'hui.
qui sont à l'intérieur de la business. Là. C'est ce que tu vas voir, toutes les Pajot, les Jean-Philippe Leclerc, c'est des gens qui ont travaillé avec moi. Mais de ce premier film-là, tout le monde a repris une direction complètement différente. On parle, ils s'en passent des affaires en 10 ans. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est sûr. C'est la seule chose là, qui est en cours de route, mais en même temps, il fallait garder le bateau quand même. Moi, c'est quand même quelqu'un qui a une vision puis que je veux quand même. Ben, tu dirais-tu justement que les gens qui ont cette vision-là puis qui adoptent cette mentalité-là en ayant travaillé avec toi, qu'après ça, ils propulsent ta marque de tout bord, de tout côté parce qu'ils sont accrochés à Wookiee, dans le fond? Ben là, aujourd'hui, c'est comme je te dis, je pense qu'avec mes employés, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble qu'aujourd'hui, eux, ils comprennent 100% notre façon d'être, fait qu'eux peuvent le propulser. Puis les gens qui achètent un vêtement Wookiee, je pense qu'eux autres aussi, ils embarquent dans encourager une compagnie québécoise, encourager l'entrepreneuriat, encourager la préservation, la conservation. Tu sais, c'est comme plus grand. Tu sais, la chemise qu'on a faite avec le camp puis qu'on a redonné 150 000 avec la CEPAC il y a peut-être un mois, je veux dire, c'est pas la chasse puis la pêche, c'est le bien-être d'être en nature puis de regarder un jeune qui a été complètement coupé de tout son bonheur d'aller faire sa pêche. Il y a la leucémie puis là, on est là, hey, wow! Tu sais, je vais être capable d'y donner de l'argent puis je vais être capable de l'amener avec sa famille. Je suis plus dans la chasse plus dans la pêche, je suis dans le bien-être de la nature. Fait que c'est ça aussi le succès de Wookiee, c'est que c'est malléable au bout, mais à la fin de la journée, il n'y a rien d'autre qui fait qu'on prend la forêt puis ce qu'il y a dedans, incluant les rivières, puis on dit ça là, on veut apprendre à marcher différemment dedans. Puis à la fin, c'est il n'y a pas de façon de faire parfaite. Mais c'est juste d'apporter une réflexion supplémentaire. Puis on va jusqu'à les ailes des bois que tu cueilles, les bleuets que tu écrases quand tu marches, les champignons que tu... Les trails de mountain bike à l'infini partout maintenant. C'est juste que pour tout le monde réfléchisse à la fin de la journée, puis ça finit que... Ah, si moi j'ai changé la mentalité d'un ou de deux, ou si j'ai un nouveau adepte de la chasse, ou quand je vois... Tu sais, c'est très différent, là, dépendant de la marque que tu as. Si je vois une soirée de chasse aux maniaques, c'est des chums, j'y connais, j'aime ce qu'ils font. Là, ça va être un tel type de clientèle. Ouais, vraiment. Si tu vois une soirée OK, ça va être un tel type de clientèle. Vraiment. Fait que chacun a son créneau, puis c'est pour ça qu'il y a une diversité de. Ouais, fait que moi, je dis, j'aimerais ça qu'un gars de chasse aux maniaques vienne écouter mes épisodes. Ouais. Parce que moi, je fais les. Puis moi, je dis, je vais aller, tu sais, j'ai besoin d'une grosse dose de chasse puis de gars crinqués, ben, je vais aller voir ça, tu sais. Ouais. Mais... Ben, je pense que même nous, on a demandé, tu sais, t'as la mentalité chasse maniaque, la mentalité faunique, la mentalité roadfish, la mentalité Wookiee, toute cette gang-là. Ben, même nous, on n'a pas nécessairement exactement la même mentalité que personne. On a toutes des petites différences. Puis, comment les puis c'est nice qu'il y ait une diversité dans le domaine. Ouais, je pense que ce que j'aimerais, c'est de voir un peu plus de. Je sais pas, des fois je vois que c'est comme tout le monde est dans leur petit coin, là, mais on fait toute la même affaire à la fin de la journée. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, tripe tous ses mêmes passions. Faut tous s'entraider puis triper. Puis, Je sais pas, il y a beaucoup de. C'est pas fait pour être populaire, là, ce sport-là. Tant mieux si ça donne, t'as des likes et des shares, mais si ça devient une action que tu fais pour ça, je te dirais, s'il vous plaît, arrête parce que c'est tellement. C'est pas fait pour ça. Puis le monde, son temps, c'est wise, ils le voient. Ouais. Tu te mets à la face sur Internet à toutes les deux secondes. Là, puis t'es... En tout cas, c'est comme. Je veux dire, à la fin de la journée, là, chasser, c'est une passion. On veut partager nos. Mais les médias sociaux, on peut voir que des fois, ça peut avoir cet effet-là un peu perverse là, de tout le temps tout le temps vouloir avoir un contact. C'est pas ça la chasse, là. Chris, on est supposé être dans le bois complètement isolé, déconnecté. Chris, c'est pas de te connecter tout le temps, téléphone. Mais l'image va aider aussi à partager dans un autre sens, là, mais c'est à double tranchant. Même nous, on est du calice. Je me mets une photo de moi avec un saumon pour encourager à faire du saumon, mais en réalité c'est pas en tout cas, c'est... Ah, j'ai un petit fait cocasse. On s'en va à pause dans comme 40 secondes. J'ai un petit fait à dire. La
collection qui avait été faite pour en lien avec Leucan. Leucan, ouais. Le nom de la collection, vous l'aviez nommé La Force de la Nature. Ouais. Bon, ben ça, là, depuis le tout début qu'on a commencé Sixième Sens, c'est notre slogan La Force de la Nature. Ouais. Quand on a vu ça, on était comme... Mais on n'avait pas encore, dans ce temps-là, réservé le nom ou quoi que ce soit. Fait que c'est juste drôle quand on a vu ça, on était comme « Yo, c'est donc mes autres. » Genre, ouais. Ça, genre, c'est notre slogan. Fait qu'on est... On est sur la bonne voie, là, dans le sens où on parle. Ouais, on l'avait fait à... C'est nice, c'est mais comme slogan. Personne ne le savait, dans le fond. Là. Non, non, c'est ouais. Ça, exact. Ouais. Mais exact. Ça reste quand même appliqué de cette façon-là. C'était comme... C'était comme... Ouais, c'était hot. Alors, on prend une petite pause, on revient dans 2 minutes. Yes. C'est un esti de beau trip, puis ouais. J'ai hâte de retourner. Oh, non, excuse-moi, j'ai de la mousse sur mon micro. Tellement de chasse cette année, ça n'a pas de sens. Ouais, vraiment. Fait qu'on est back de la pause, là. J'ai pris ma pastille, c'était tellement dégueulasse, là, mais... On a parlé de Duke, de Teki, alors on parlait un peu de pêche, ouais. De ce que t'as vécu, mais moi j'avais une question... Tu sais, j'avais vu ça, t'as pogné quand même un gros sturge, là, un gros esturgeon. Ouais, là. Ouais. Raconte-moi donc ça, là, le combat, puis tout, ça a pris combien de temps? C'était où? C'était ça, Rivière Fraser? Ouais, c'est dans les tributaires de la rivière Fraser. On remontait dans une rivière qui s'appelait la Vedder. Je l'ai fait 2 fois, mais cette fois-là, j'étais avec Alexis, puis on arrêtait, puis tu pouvais pêcher le chum, là, tu vois, le dogfish qu'il appelle, des gros crises de saumon en train de mourir avec des grosses dents. Ouais. On pognait ça, puis c'était. Mais tu sais, ils viennent mourir, c'est un peu moins chic. Des fois, t'as pogné un frais, là. Ouais, ouais. On pêchait ça un peu à mouche, puis là, après ça. Prenant une grosse chic de saumon là, puis puante, puis il mettait ça après un hameçon, puis il envoie ça dans l'eau au fond. Okay. Puis là t'attends, puis là à un moment donné quand tu sens que ça tire là, tu fermes, puis à ce moment là dans le fond la première fois le gars il dit hey, tu me le diras quand t'as besoin d'aide, puis là je dis hey, comme tout, je suis capable de sortir mon poisson, mais pour de vrai, c'est tellement fort, là, c'est comme si tu connectais après un char. Là, tu ouais. L'avez-vous déjà fait? Non, mais non. C'est un surgeon, ouais, mais comme pas ouais. Des gros sorts. Ouais. Non, c'est surgeon à Québec, on n'a jamais fait des surgeons. 800 livres, là. Mais c'est un de nos voyages qu'on parlait de rêve, dans le sens qu'on veut vivre cette expérience-là. Ouais, ben, ouais. Je vous mets au défi de le sortir vous-même. Là. Moi, j'étais avec Pajot, là, il était au gym, il était à la côte. Moi, après 15-20 minutes, je voulais mourir, j'étais plus capable. Ça sort de l'eau, c'est juste un muscle de 10 pieds de long qui pèse 600 livres. Puis ça veut ton dos va arracher, tout veut c'est péter. Incroyable. Tu veux mourir, puis là, tu vas au bord, puis là, tu peux y toucher, puis c'est... Je pensais au bord, au bord, je sais. Non, tu vois, sur la berge, là, ouais. C'est comme si tu connectais avec un... Un animal. C'est préhistorique. Fait que dans le fond, c'est un moment unique. Tu sais, après que t'en as pris 2-3, évidemment, c'est très différent des challenges qu'on normalement on aime faire. Tu sais, souvent les mouches puis tout. Ben oui. Mais avec la puissance de ce poisson-là, je veux dire. Vous pouvez le voir, là, je pense que c'est sur l'internet à quelque part, là, mais. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas sûr. De sens. Tu parles de la photo, c'est n'importe quoi. Ouais. La queue, genre, est grosse de même. Ouais. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Là, c'est un mammifère. Là, quand c'est rendu qu'avec ton fiche, tu peux être 4 à prendre la photo. Alors, ça, c'est fou raide. Là. Puis ça vit encore, ces poissons-là. Puis les écailles, là, c'est dur. Puis c'est sharp, 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 comme un couteau. Puis tu le vois là, que ça, c'est un dinosaure. C'est pas plus compliqué. C'est préhistorique, que ça. Hein? Ça vit des genre centaines d'années. Là. Lui, il était là, puis le T-Rex, il était là à un moment donné. Ouais, c'est ça. Puis, c'est spécial. Là, hein? Le T-Rex est plus là, mais lui, il est encore lui là. Est encore puis là. Ça fait. Ça a la grosseur d'un dinosaure. Ça a pris combien de temps environ? 2 heures ça et peut demie? Prendre jusqu'à. Non, ça peut prendre entre 20 minutes puis 1 heure. T'sais. Parce que t'as quand même. Tu sais, tu forces de. Toutes tes forces. Ah, pis t'as du gros gear. Là. Pis t'as du crisse de gros gear. Là. Pis à un moment donné, là, tu fais juste capoter. Fait que. C'est juste que le plus bon des. Le plus. Quoi t'as fait ton film? Le meilleur thrill, c'est d'y aller avec une gang de chums pis de voir qui est capable de soutenir le poisson pour tout le combat.
C'est tout que l'invité. Tu vas. C'est ça. Alors, fais donc ce que David. Non, c'est correct. Ah, mais c'est débile, je veux vivre ça, sérieux. Eh hey, oui, mais ben, c'est un des trucs qu'on veut faire sur notre checklist, man. Ouais. C'est, ça a l'air mongol, man. Ouais, ben, tu sais, si tu le fais, je te dirais, monte. Tu y vas dans le coin de octobre, puis tu pognes la run des saumons en même temps. Tu peux aller là, tu fais une journée de ça, pas plus. Pas besoin de plus. Puis après, tu sais, tu vas des d'autres challenges, d'autres défis. Il y a des cohos, il y a des chums. C'est mon gars, le Vancouver. Il y a une ville qui s'appelle Campbell River, mais il me semble que oui. Ouais. Il y a du stock là-bas. Tu sais, dans le fond, toutes les deux bouts du Canada sont connectés à deux océans très différents, l'Atlantique puis le Pacifique. Dans le Pacifique, il y a beaucoup plus de saumons. Il y a beaucoup plus de milliers de saumons qui montent dans la rivière, mais eux, ils viennent mourir dans la rivière, puis ils repartent. Ici, on a juste le saumon d'Atlantique qui est anadrome, il va dans l'eau douce, puis dans l'eau salée, mais il vient pas mourir. Il va frayer, il va rester l'hiver, puis il va retourner. Ouais. Mais là, tu sais, dans au BC, t'as c'est deux choses, hein, c'est spécial. Le saumon atlantique du BC, c'est plus le steelhead qui est un challenge incroyable, que lui, il aussi, il rentre, il fraye, il retourne, il revient. Mais les autres, les cohos, les chums, les pinks, les sockeye, ils viennent, ils meurent, puis ça devient la nourriture pour les griseries, les aigles à tête blanche. Ouais. Quand on pêchait le sturgeon, c'était un sanctuaire d'accouplement pour les aigles à tête blanche. Fait que tu pêches, puis t'as genre 1000 aigles à tête blanche autour de toi. C'est impressionnant. Qui mangent tous les saumons qui sont en train de mourir. C'est majestueux. T'as-tu déjà fait un grand slam? C'est quoi, de où? Je sais pas. Ben, ouais. Je pense que c'est une affaire de ça dépend des saumons. Ben, tu sais, tu peux en inventer un. Ouais. Il y en a un, il y en a comme, mettons, dans l'eau salée, permit, bonefish, tarpon. Tu peux t'inventer un grand slam dans la péninsule gaspésienne, truite de mer, barreillé, saumon atlantique. Ouais. Tu peux le faire, tu sais. Je pense qu'il y en a un pour le saumon. Quand j'étais allé au territoire du Nord-Ouest, dans la même journée, brochet, grayling, truite grise. Fait que. Le grand, tu sais, il y a des places qui vont créer des. Comme le fameux. Tu vas aller à Cuba, là, mettons. Puis là, il va y avoir le lodge, le monde va se vanter de leur grand slam ou de leurs affaires, mais. Ils vont l'avoir inventé. Tu sais, nous. Non, mais ça existe. T'as le Ultra Grand Slam, le Snook, le Bonefish, le Permit, puis le Tarpon. Tarpon, ouais. Mais tu sais, ça je trouve que ça crée beaucoup de compétition, puis de. Je sais pas si ça se dit, le venteurisme. Là, ouais. Qui est pas qui a jamais été l'objectif. Fait que moi, dans. Tu sais, souvent, c'est tannant, le monde. Comment qu'il pesait? Pourquoi tu faisons ça? Non, mais en voulant dire, il mesurait 48 pouces. Mais si je te dis comment il pèse, là, après ça, tu vas me dire, ah, je suis pas sûr. Ben, d'abord, je le dirai jamais. Je le posterai jamais. Je vais jamais en parler. Ouais. J'avais un tape dans mes mains, là. Je l'ai. Il mesurait 48 pouces. Ouais. Mais tu l'as pas pesé, genre? Non, mais tu sais, jamais qu'on va exprimer un poisson ou un gibier par une largeur ou par une grosseur. Juge par toi-même, mais c'est pas l'objectif. Tu sais, ça me fait plaisir, mais je veux dire, tu sais, très beaux orignaux de 49 pouces. Tu sais, nous, on n'était pas ça. Fait que là, tu t'instaures cette compétition-là de grosseur. Ouais, effectivement. Qui fait que le monde a envie d'être tout le temps plus gros. Fait que tu te dis, Chris, t'es allé à la chasse, puis t'as tué un petit orignal, puis là, tu te fais juger pour ton petit orignal, puis ton. Chris, c'est comme si ça te mettait sur un piédestal. C'est parce qu'on a instauré ça. On a mis ça de l'avant. Meilleur chasseur tue des plus gros orignaux. Oui, indirectement, mais la chance existe encore. Ben oui. Puis tu récoltes. Puis la place où ce que tu vas, même. Tu pêches-tu juste le saumon ou tu sais, t'as pas tout au complet? Non, ben là, on sait jamais. Non, mais je veux dire, je me retrouve souvent où que je me sens le mieux. Mais tu sais, je veux dire, j'ai vraiment tout pêché. J'ai pêché un méchant shot là, dans ma vie. Là, ouais, c'est sûr. Tu sais, il y a un bout de ma vie que j'ai travaillé, là. Mais je te dirais que dernièrement, tu sais, que ça commence, là, jeudi soir, je m'en vais au dindon, là.
Puis c'est, après ça, je te dis, je suis décollé pour un méchant bout. Là. Que la pêche partout dans le monde. Puis... Tu sais, tu vas pas me retrouver souvent, mettons, sur le fleuve en train de pêcher le doré ou. Tu sais, des heures d'affaires de jig. Pas parce que. Tu sais, juste parce que c'est moins mon truc, là, mais. Mm. T'es passionné par l'or de la mouche aussi, là, on va dire. Le défi. Défi. Le défi, le challenge. Chasse au poisson. L'histoire, le savoir-faire, il y a comme. C'est comme n'importe quoi. Je ne veux pas de raison pourquoi on ferait plus une chose qu'un autre. Mais c'est là que je me suis retrouvé le mieux. Puis après ça, là, je suis en train de vraiment switcher vers la chasse. J'adore l'île d'Anticosti. C'est une des places que j'aime vraiment beaucoup. Puis l'Orignal. Puis des watchs. Puis des caches. Puis des attentes. Puis du baiting. Il y a une époque dans ma vie que ça va être ça. Je le sais que ça va, je vais être vieux. Puis j'aurai pas le choix. Mm-hmm. Mais là, t'en profites. Ben, j'ai juste moins d'affinité à être assis vu que je suis tellement nerveux que je l'ai pas encore fait. Mais là, je me dis, crif, il y a des gros chevreuils sur ma terre à Baie-Saint-Paul un jour. Mais cette approche-là technologique de caméra puis de carotte, c'est pas encore. Ça me parle pas parce que je viens d'un monde où il n'y en a pas de caméra, puis que c'est une mouche faite à la main, puis un petit bout de fil, puis une petite affaire de même, puis. T'sais. Mm-hmm. Ouais. T'as-tu un genre de un petit quiz? Ouais, j'ai un petit quiz, c'est là qu'on s'en arrive. Ouais. Dans le fond, j'ai toujours un petit quiz là, beaucoup moins croustillant. Là, c'est un genre de quiz où tu peux répondre par une petite réponse rapide, une phrase ou pas. Des fois, c'est un ça ou ça. Fait que, ben. On peut aller comme ça. Ouais, fait que la première question, ça va comme suit. Tu sais, malgré, parce qu'on peut voir sur votre site que vous êtes allé quasiment partout dans le monde, là, mais c'est où la place que tu t'es dit, OK, ici, ça va être mon goal, genre, ça va être, tu vois la place, là, tu dis, hey, c'est débile, là. Avant d'y arriver ou après? Ouais, avant d'y arriver, mettons. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que tout ce qui est par rapport au Grand Nord, d'un, par son isolation, tu le sais que personne n'est allé là ben en avant de toi. Ah t'as pas de pression de pêche, fait que c'est sûr que ça va être incroyable. Fait que tous les environnements les plus isolés, c'est là que tu commences à être vraiment fébrile puis de le sentir. Puis l'année passée, quand je suis arrivé au territoire du Nord-Ouest, là, sur le Great Slave Lake, là, un endroit protégé qui était une réserve, que genre, il n'y avait plus de pêche commerciale, ben, plus rien. Puis j'ai vu ça, j'ai dit, ici, là. Ça va faire mal au bras, c'est sûr. Puis ça a été, c'est inexplicable. Ah ouais. Tu peux pas t'imaginer les poissons qu'il y a dans ce lac-là. Là. C'est une truite de 10 livres en montant à tous les lancer à l'infini. C'est incroyable. Juste que, tu sais, puis le soir, bon, on en revient, tout le monde a pris 100 truites. On est 16, il y a 1600 truites, puis c'est un. À l'infini. À l'infini. Mais moi, number one pick, là, Leaf River. Rivière aux Feuilles, pour toute l'histoire, c'est là que ça a commencé. C'est les grands aventuriers, Alain Tardif, qui m'a pas pris sous son aile, mais il a comme fait, hey, toi, d'après moi, t'sais, puis là, il m'a réinvité. Puis là, j'avais accès au nord, puis c'est caribou, puis c'est la toundra. Il me contait ses histoires, puis j'étais comme, t'es un malade! Fait que c'était comme. Lui, il avait entrepris le Nord, puis là, moi, ça m'a motivé. Fait que, tu sais, dans toute ma vie, ça va être. Je vais essayer de faire tout pour y retourner le plus souvent possible, puis je vous souhaite un jour avoir la chance. J'aimerais ça, on va parler à Louis Tardif. C'est possible. Le seul enjeu, là, c'est pas que le gars, il veut nous charger cher, c'est le transport. Ah oui, tu te rends là en avion. Mais sinon, ma deuxième question, c'est ça a un peu en lien avec la première. C'est où ta prochaine destination? Ma prochaine destination, pour c'est Victoriaville, Dindon. Après ça, ça va être en Mauricie, en famille. J'ouvre tout le temps la pêche à Pourvoirin de mes chums, le club aux Anna. Okay. Puis mes gros voyages de cette année, c'est la rivière Tunulic. Dans la baie d'Ungava, où il y a des plus grosses truites mouchetées sur la planète. C'est dans les top 5 rivières au monde. Des truites mouchetées de 5 à 10 livres. C'est méchant. J'ai toujours voulu y aller. J'ai réussi à me trouver une place. Puis un voyage en hydravion
à travers le Terre-Neuve pour retracer le chemin de Lee Wolfe, un grand explorateur. Okay, c'est clair. Après ça, ben, l'Orignal, ça finit plus. Le Nouveau-Brunswick, Dunière, Matane, Rimouski. Nice. Ça arrête plus. Ouais, et Anticosti encore. Puis, c'est toujours de... C'est une histoire sans fin, puis du temps de qualité aussi en, en famille pour rattraper le temps perdu de, d'extra points de chasse. Troisième question, c'est sans s'en couper, là, c'est quoi l'affaire la plus cow-boy que vous avez faite dans vos trips ou pour aller pêcher? Ou... Ah, il doit en avoir. Ah, c'est sûr qu'il y en ça a. Ça finit plus, là, je veux dire. La plus cow-boy. Là. La plus cow-boy. Ben, tu sais, la plus cowboy, c'est toujours d'essayer de traverser où tu devrais pas traverser, puis de prier qu'on tombe pas dans l'eau, puis que là, tu ramasses ton chum, puis t'as... Mais après ça, tu sais, on est quand même convenu à pas trop prendre de risques parce que la vie est très, trop importante, là. Fait ouais, que, effectivement, ouais. Tu sais, des niaiseries d'essayer de traverser des cours d'eau dans grosses vagues. Tu sais, jamais rien arrivé, là, je touche du bois. Mm. Mais tu sais, j'encourage pas le cowboyisme malgré que tu sais aujourd'hui je le vois non moi je trace pas dans des époques qu'on l'a déjà fait ah, que ouais. On a pu nager puis on a pu s'en sortir puis après ça tu sais plein de on a arrêté parce qu'à un moment donné on faisait tellement de coups puis de niaiseries que tu te levais le matin, hostie, tu mettais tes waders, il y avait des bananes, du beurre de peanut, il y avait de l'huile à moteur dans ton affaire de calotte, puis là, c'était, là tout le monde se mettait, tu repognais l'autre, puis Chris, les gars, man, ça finira plus, tu sais. Fait qu'on a comme, slacké là-dessus, là, mais tu sais, j'ai rien de. Non. Ben, tu sais, c'est pas cowboy. Cette année, je te dirais, j'ai vu de quoi de Chris Mahout. Je vais vous montrer la photo après. Là. On la verra pas à l'écran. On, là, on va essayer de la décrire du mieux qu'on peut. Dans le fond, on est au Groenland, là, fin fond là, d'un lodge pas possible. Là. On est rentré là avec deux avions, un bateau dans la mer. On a marché, on a monté une montagne. Puis il faut marcher 2 km par jour pour se rendre à la première fosse. Puis là, t'as un gros Groenlandais qui vient nous faire à manger. Puis là, les gars sont là, hey, on veut manger du caribou demain, les doigts de Nahuatl qui courent dans les montagnes ici. Et que le gars Tobias dit, OK, I'm gonna try. Fait que là, nous, on marche 2 heures, puis on est en train de pêcher à une poule. Puis là, il sort du bois, hein, ce gros Groenlandais-là, hein, plein de sang, hein, avec deux pattes de caribou, hein, un caribou autour de lui. You want to eat caribou? I got caribou. Puis là, il a trekké pendant 2 km dans les montagnes pour nous ramener ça, puis nous cuisiner ça, puis on était là. Esti de malade. Mec, tu sais, mais ça, il y en a plein des histoires de même. Quand t'arrives dans les lieux où que c'est les personnes, c'est vraiment leur terrain de jeu, puis tu te dis, ah, finalement, on n'est pas si hot que ça. Nous autres, on a winché un orignal avec un 4 roues, puis on l'a mis dans une boîte de truck. Puis on a eu chaud, là. C'est ça. Lui, il traîne un caribou au complet sur son dos à travers les montagnes du Groenland, puis il nous le tranche en morceaux, puis il nous le serre. Fait que ça remet juste en perspective. Des fois, tu dis, qu'est-ce que j'ai le goût de sortir de ma zone de confort, puis on n'est pas. Dernière question avant qu'on passe à la dernière partie. On a parlé de skate tantôt. C'était quoi ton trick de prédilection? Tu sais que les gars ont fait grind. Crooked grind, mais genre à l'infini, là, genre, tu sais, des top descentes flat ou descentes flat. Tu sais, je faisais des backside notes sur des tables à pique-nique debout. Ben, une vraie table, là. Ouais, les hautes, là, le top de la table. Ça, c'était comme mon trick. Mais c'est quand même haut, là. Je te parle, là, ça fait longtemps, là. Crooked, ouais. Chris, 25 crooked ans, grind. Ouais, mais, tu sais, je peux pas te dire kick, flip, crooked grind, kick, flip, backside tail. Il y avait pas vraiment. C'était pas. Ces variantes-là, ouais. Il y en avait, là, mais, tu sais. Ça, c'était back 5-0, on était fort là-dedans. Ouais, il y avait un grind, je faisais des back flip aussi sur des rail down. Mais, c'est moi, c'était des tree flip, mettons un tricks, puis Jay, c'était des kick flip. Parce que, oui, on a fait du back foot catch, hein. Fait que c'est ce qui conclut mon. Jay, des kick flip, mais genre, c'est fou, kick flip. Crooked grind, ouais, c'était ça. C'est hot, c'est le fun, hein, quand il est barré là, sur le kickflip backside tail dans les mini ramps, puis frontside kickflip. Nice. Frontside kickflip. Ah ouais, c'est hot, ça. Ouais.
Ben, en tout cas, ça conclut mon quiz. Ça conclut le quiz. Puis quand un invité répond bien au quiz, il se mérite un cadeau. Fait que t'as bien répondu au quiz, tu te mérites un cadeau. 10 sur 10. Là, habituellement, il est comme là, dans un sac, où là, il a fallu qu'on le cache parce que t'aurais vu la shape, t'aurais sûrement deviné c'était quoi le cadeau. Fait que je te sors ça à l'instant, il est en dessous du divan. Ok, parfait. J'espère que c'est. Oh yeah! C'est ça! <T'sais, rire> parlant de skate, tu peux le dévaler? C'est nice, man! C'est malade! Tu dois le connaître aussi un peu. Hey, on nice! Dit, on s'est dit, ce gars-là, il skate, avec un grip ça. Dessus en plus! T'es oui. Prêt! Prêt à skater, man! C'est ça un 16-8? Non, c'était un 8 avec la nice, man! Ouais. Yeah, yes, boy. Man! Ben, hey, merci à toi d'être venu au podcast, ouais, c'est la moindre des choses! Sérieux, Fred, une bonne continuité dans vos affaires! Merci! Je trouve ça cool de voir une nouvelle génération essayer des trucs, faire des trucs, promouvoir ça. Puis de, on avance tout dans le même sens au final. C'est ça, tu sais. En fait, il n'y a pas de place à l'ego là-dedans. Là, c'est juste tout le monde fait ce qu'il aime. Puis, tu sais, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais, tu sais, le but, c'est de toujours continuer. Puis de promouvoir ça, là, la chasse, la pêche, peu importe la façon. On a toute la même passion. Hein, ouais, c'est tellement rendu plus juste une passion au final, le mode de vie. Fait on avance tout là-dedans, puis on n'arrêtera pas. Là. Ouais. On n'est pas prêt d'arrêter. Une belle gang, mais anyway, j'imagine que c'est toutes les gens que vous recevez ici, ben, vous en voyez de plus en plus, vous créez cette grosse communauté-là. Puis, ouais. 100%, c'est un des points qui est nice avec le podcast. Sérieusement, un gros merci, Fred, d'être venu sur le podcast, d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà la fin, hein? Puis c'est comme... on peut continuer de parler. Tu peux dormir ici? on va faire du editing, là, on va vous donner une couple de trucs. Fait que c'est ça. Gros merci. Puis à la maison, si vous souhaitez que Fred revienne un jour au podcast, laissez-nous le savoir en commentaire. Puis aussi, continuez de nous envoyer des suggestions d'invités. Puis des suggestions de sujets. Un petit reminder pour le concours Gagne ton voyage, la bannière risque de s'afficher à l'écran au moment où est-ce que je dis ça pour les étapes comment participer. C'est un concours qui va durer tout le mois de mai. Vous courez la chance de gagner un tournage complet avec nous, toutes dépenses payées, à la pourvoirie l'auberge La Barrière pour 5 espèces de truites dont la fameuse Golden. Puis sur ce, ben allez voir le site web laforcedelanature.ca. On a plusieurs collection, plusieurs morceaux, on a plein de choses encore disponibles, fait que allez vous gâter, puis c'est une façon de participer au concours aussi, fait que let's go sur laforcedelanature.ca. Pour le reste, abonne-toi, like, commente, le podcast est disponible à chaque semaine sur Spotify, Balados, YouTube et Facebook. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine, guys. Je suis en train de perdre la voix, je m'en vais encore gagner 3 autres. Merci.